Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire le livre La Petite Crêpière. La Petite Crêpière. Demain est un grand jour, c'est la kermesse au village. Lénaïque vient aider sa mamie à préparer des crêpes pour tous les gourmands de la fête. Allons ramasser des œufs dans le poulailler. Lénaïque prend les œufs dans les nids. Les poules affolées s'envolent de tous côtés. Courons à l'étable chercher du lait. Lénaïque s'asperge le lait en tirant sur le pis de la vache et se fait une énorme tache. C'est au meunier que nous achèterons de la farine. Lénaïque éternue au-dessus d'un sac de farine et la voilà blanche comme une hermine. Il nous faut du beurre, vite chez le crémier. Lénaïque choisit une belle motte de beurre moulée en forme de cœur. Chez l'épicier, nous prendrons des ingrédients pour garnir les crêpes. Lénaïque choisit du jambon, du fromage, du miel, du chocolat et de la confiture en guise de garniture. Nous voici de retour à la maison. La pâte se prépare dans cette jatte. Lénaïque verse du sucre, de la farine dans la jatte. Elle creuse un puits au milieu pour y casser les œufs. Mélange le tout avec ce fouet. Lénaïque ajoute une pincée de sel, le beurre fondu, le lait, et continue à mélanger sans trop en renverser. Maintenant, un peu de patience. Pour être meilleure, la pâte à crêpes doit reposer pendant une heure. En attendant, les deux cuisinières se lancent dans une partie de cartes. Je fais chauffer le bilig et tu pourras commencer. Lénaïque verse une louche de pâte et l'étale à l'aide d'une spatule. La première crêpe est parfaite. Vite une assiette! Le lendemain à la kermesse, tout le monde veut goûter les bonnes crêpes et dit un grand bravo à la jolie petite crêpière. Et voilà, c'est fini. C'était le livre La Petite Crêpière.